Ça Voilà. se connecte. Voilà, c'est parti. On est en direct. D'accord, très bien. Ben, bonjour à tous, chers Déré, je suis en haut du Beffroi de Mons, très heureux d'être ici pour vous proposer une heure de musique autour du carillon. Alors, c'est un concert que la ville de Mons voudrait dédier à l'ensemble du personnel soignant qui sont vraiment au feu en ce moment et donc on pense beaucoup à eux. La ville a eu l'idée de jouer une sorte de jukebox. Donc j'ai proposé une cinquantaine de titres et les 20 meilleurs vont être joués ce soir pendant une petite heure. Il va y avoir de la chanson française, des musiques de films, chansons internationales, donc c'est assez varié. Alors j'essaierai de vous dire peut-être quelques petits mots entre deux. Donc si vous ne connaissez pas le carillon de Mons, je vous invite après le confinement à monter dans ce magnifique beffroi qui a été restauré il y a quelques années, vraiment de façon extraordinaire. Et en haut de ce beffroi, vous trouvez un magnifique carillon de 49 cloches. Alors le carillon, c'est un grand piano où les cordes du piano sont remplacées par des cloches. Donc sans compter le carillonneur, vous avez ici 49 cloches en haut du beffroi pour un poids total environ de 30 tonnes. Alors pour commencer, la première chanson que je vais vous interpréter, je suis souvent heureux quand je joue du carillon, donc ça tombe bien, c'est Un homme heureux de William Scheller. Voilà, bonne écoute. Merci. Thank you.
Alors, nous allons faire un petit tour par la France, à Paris, les Champs-Élysées de Jodassin. Alors, vous avez une petite liste sur le Facebook de la ville. Je prends les titres en marche arrière, en fait. Hein. J'ai commencé par le titre numéro 20 et maintenant le 19, 18. Et donc, c'est un petit compte à rebours, en sachant qu'à la fin, il y aura le doudou. Voilà. Les Champs-Élysées de Jodassin. J'ai l'impression de parler de ça. Alors le titre numéro 3, une balade irlandaise, un oranger sur le sol irlandais, Emile Stern. Voilà, donc c'est une chanson qui était chantée il y a quelques années par Bourville, et c'est une adaptation, je me permets de le saluer au passage, de Patrice Poliard, qui est carillonneur aussi ici à Mons, et également à Soigny et Anguien. Donc je lui passe un petit coucou s'il me regarde. Un Irlandais sur... Alors, c'est quoi le titre ? Un oranger sur un sol irlandais. Voilà, c'est ça. C'est mieux dans l'ordre. Thank you.
continuer toujours dans la chanson française, un très joli titre de Barbara, L'Aigle Noir, peut-être sa chanson la plus célèbre dans le monde, donc L'Aigle Noir de Barbara. C'est un chanteur, j'adore son prénom, c'est Charles Trenet, je sais pas pourquoi. Et donc c'est Gad la joie de Charles Trenet au carillon. Thank you.
Alors, le titre suivant, ça va être une petite suite de blues, de jazz. Ça va se terminer par In the Moon de Glenn Miller. Et donc, une petite série de musique que j'aime jouer. Vous allez voir. Thank you.
fort, hein? C'est ça. Alors, pour les musiciens et les sportifs, si vous cherchez une activité qui relie les deux, il faut jouer du carillon. Il y a plein d'écoles en Flandre, en Wallonie. Donc, j'invite tous les enfants qui veulent associer le sport et la musique à jouer du carillon parce que c'est vraiment complet. On a environ 300 marches à monter avant de jouer l'instrument et on joue aussi pas mal de jolies musiques. Donc, c'est vraiment l'activité idéale pour tous les enfants ici en Belgique. Alors, pour continuer, pour reprendre mon souffle, un petit slow, Stranger is the Night, qui a été développé, je pense, par Frank Sinatra. Donc, Stranger is the Night. C'est une musique qu'on entend beaucoup à Disney. C'est l'attraction avec les poupées, je pense. On l'entend en boucle. Et souvent, quand on entend, ça nous poursuit le jour, la nuit, on entend cette petite mélodie. Donc, It's a Small World, c'est Sherman, Richard et Robert. Voilà, petite musique de Disney. Petite dédicace pour mes enfants qui peuvent écouter. Sixtine et César, donc je fais un petit coucou. Voilà. Il y a la maman aussi, Christine. Thank you.
chanson s'appelle La Bohème. Son prénom, c'est Charles. Voilà. Et Charles Aznavour. Voilà, La Bohème de Charles Aznavour. Dans ce petit jukebox qui sera suivi de Klaus François, pas tout à fait le même style, et ensuite sera du Johnny Hallyday. On part un peu dans tous les sens, mais c'est chouette. C'est le cario, c'est ça. Thank you.
permet de mettre en valeur les grosses cloches de ce camion. Voilà, voilà. Donc, comme je vous annonçais tout à l'heure, complètement dans le style de Gainsbourg, Claude François. Nous sommes dimanche, j'espère que demain il y aura du soleil. Ça s'appelle Le lundi au soleil. Et je crois que c'est Patrick Juvet qui a écrit la musique de ce titre, et c'était chanté, immortalisé, on va dire, par Claude François. C'est parti. Thank you.
voilà, Johnny Hallyday. Ah, alors maintenant, un de mes chanteurs favoris, Julien Clerc. Magnifique mélodiste aussi. Alors vous allez sélectionner ma préférence, mais je joue beaucoup Julien Clerc dans différents concerts de Carillon. Donc ma préférence de Julien Clerc, magnifique pièce. Au niveau des pieds à un moment donné. Thank you.
c'est un petit système, un tambour, un doritournel qui sonne tous les quarts d'heure ici. Alors, c'est de 8h à 20h ou peut-être 21h, je ne sais plus. Voilà, donc c'était le tambour de ritournel, le fantôme du carillonneur. Et je vais reprendre Jacques Brel, Amsterdam. Excusez-nous pour la petite interruption. De pièces, j'en ai joué 15, donc on est dans le top 5.
Donc en cinquième position, un peu de suspense, c'est Game of Thrones. Non, excusez-moi pour l'accent. Je sais que je dois progresser en anglais depuis maintenant à peu près une trentaine d'années. Donc j'y travaille. C'est difficile. Thank you.
trois pièces. De nouveau un prénom que j'adore. La chanson s'appelle Emmenez-moi. Le chanteur Aznavour. Et le prénom que j'adore, c'est Charles. Charles Aznavour. Emmenez-moi. De Dark Vador. Donc peut-être pour vous donner un petit message, de garder, on vous souhaite toute la force Jedi pour cette période compliquée pour le monde. Donc voilà, donc ce concert a été vraiment dédié au personnel soignant, à vous tous, au Montfort. Donc pour que vous ayez la force avec vous, une petite musique de Star Wars, la marche impériale, la marche de Darth Vader.
remercier pour votre présence pour ce concert. Remercier aussi la ville de Mons pour toute l'organisation, les personnes qui sont autour de moi aussi, notamment Bérénice qui est en train de filmer, Madame Manuela. Manuela, voilà, qui est aussi prête, excusez-moi, c'est en fin de concert comme ça, je commence un peu à fatiguer. Donc Manuela, merci pour la présence, pour l'organisation. Je me permets de saluer aussi, on est plusieurs, hein, ici carillonneurs, donc un petit coucou à Audrey, Pascaline, Patrice, qui a joué la semaine dernière. Je pense que dans les semaines qui vont suivre, on vous proposera aussi d'autres petits concerts live comme ça. Donc j'étais heureux de participer à ce concert, donc merci beaucoup pour l'invitation, pour la proposition, et merci à vous pour l'écoute. Alors pour terminer, c'est une grande surprise à Mons, la chanson qui a remporté le plus de suffrages. Alors c'est pas quelque chose de très 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 connu, vous allez voir. Ça s'appelle le Doudou. C'est un folklore ici dans le coin, je ne sais pas trop. Donc voilà, le Doudou.